Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission Querida Flash People. L'artiste que je reçois aujourd'hui est originaire de la Guadeloupe. Il est la révélation du zouk du moment. Artiste rempli de talent, je peux vous dire aussi qu'il est formidable. De son côté naturel, il nous fait voyager à travers sa voix remplie d'émotions. Il a commencé avec le groupe Tradunion, ça vous dit peut-être quelque chose. Sachez que c'est un honneur et un plaisir pour moi de l'accueillir chaleureusement. Je vais vous le présenter maintenant. C'est parti. Emmène-moi. Yeah, 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 yeah. Emmène-moi. Ça te va, je t'emmène ou pas? Oui, emmène-moi dans ton univers, Yoann. Merci, merci, merci. Quelle voix magnifique. Que dire de plus de t'accueillir à ma nouvelle émission, Querida Flash People. Merci, c'est gentil à toi. Comment vas-tu? Ça va, on est là, il fait un peu froid. C'est vrai? Tu es à l'aise? Oui, toujours, c'est cool. Très bien. Bon accueil en plus. C'est vrai? Bon, ouais, c'est pour ça qu'on va parler de toi, est-ce que tu le sais ça? Je pense bien vu que je suis là. Bon, très bien, on va parler de toi, on va te découvrir davantage, histoire que tes fans et tes internautes sache bien sûr qui est Yoann. Voilà. Yoann, dis-moi. On va commencer. J'ai constaté que tu as commencé avec le groupe d'R&B, Trait d'Union. Parle-moi de ce groupe. Pourquoi aujourd'hui as-tu choisi le Zouk? Parce que c'est vrai que c'est un groupe d'R&B, faut pas l'oublier. Dis-moi tout. Bah, tout simplement, déjà, j'ai commencé et je suis toujours avec le groupe Trait d'Union. Très bien. Donc c'est une histoire de famille, cousin, frère. Et donc le zouk, parce que, ben voilà, vu mes origines, je me suis dit, ben pourquoi pas aller faire un petit tour chez moi, quoi. Et vu que j'avais envie de voir un peu du pays, comme on dit. D'accord. Voilà. Et tout simplement, l'amour de la musique. Tout à fait. Donc tu ne réponds pas à ma question. Tu veux savoir quoi exactement? R&B, pourquoi aujourd'hui le zouk? Non, je pense que après, moi, comme je dis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Donc tout ce qui est... Moi, dès que ça me parle de musique, j'ai pas besoin, je n'ai pas de registre. D'accord. Je suis arrivé avec le R&B, certes, donc on avait un groupe de R&B. Mais le zouk a toujours fait partie de ma vie, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et vu que j'ai été orienté par un ami à moi qui s'appelle DJ Jaro, très bien. Et un de mes cousins qui s'appelle Gordon, donc ils m'ont poussé vers ce chemin du zouk. On s'est dit pourquoi pas, tente. Très bien, donc si je comprends bien, tu es un artiste éclectique. Éclectique, en plus c'est ma phrase, c'est mon mot préféré. Oui, c'est bien ça, tu valides. Ouais. Très bien, dis-moi Yoann, à part chanter, tu écris des textes, tu produis, tu réalises? Ouais, bah, j'écris, après c'est tout nouveau, hein. On fait semblant, mais donc ouais, c'est tout nouveau, j'écris, je compose mes mélodies et voilà. Très bien, et tu as fait tes débuts dans la musique depuis ton plus jeune âge, hein? Ouais, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Très bien. Voilà, professionnellement. Oui. Après, bon, j'ai toujours baigné dans la musique, donc on va dire depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours fredonné. D'accord. Mais voilà, oui, donc j'ai commencé très tôt, donc ça fait un bon petit moment maintenant. Oh là là, on aime que ça, on veut que ça continue bien sûr. Mais d'où vient cette passion pour la musique, Yoann? Tout simplement, ben, maman qui était danseuse folklorique, papa qui était dans le milieu entier, donc voilà. D'accord. J'ai suivi. Très bien. Yoann, y a-t-il un artiste bien sûr avec qui tu aimerais chanter un duo ou bien sûr collaborer? Ben, y en a quelques-uns bon, qui sont déjà partis. Malheureusement. J'aurais bien aimé. Oui. Après, ouais, il y en a pas mal. Y a, par exemple, celui qui me vient tout de suite, c'est Marvin. D'accord. Avec qui que j'ai croisé déjà dans le milieu. Et puis plein d'autres, on verra par la suite. Très bien. Yoann, quels sont tes rêves les plus chers pour ta carrière artistique? Ben, tout simplement, déjà, continuer à faire apprécier ma musique. Parce que je pense que sans les gens qui sont derrière, on n'est rien. D'accord. Donc, voilà, déjà ça. Et puis après, ben, pourquoi pas faire une belle carrière? Comme plein d'autres. Tu as du talent, pourquoi pas? C'est toi qui l'as dit. Non, c'est vrai, il n'y a pas que moi, il y a aussi tes fans. Hein. Merci. Yoann, aujourd'hui tu as un très large public. Dis-moi, comment le vis-tu? Raconte-moi cette expérience. Ben, déjà tout simplement, j'admets que moi, le zouk, je ne savais pas que ça, ça prenait autant d'importance dans ce milieu de la musique, tout simplement. D'accord. Et oui, c'est vrai que ben, j'ai droit à toute la panel, on va dire, d'origine. Très bien. Donc je suis plutôt content, ça fait plaisir. Bon, c'est toujours un peu flippant des fois, mais non, ça va, c'est vraiment cool. Très bien. C'est vrai que tu as une simplicité admirable, hein, faut dire ce qu'il est. Donc on peut en même temps... ton public peut bien sûr t'aimer, c'est clair. Non, mais moi j'aime mon public, donc voilà. Je pense que c'est important qu'on ait de sens. Voilà, et c'est pour ça que ça s'élargit encore plus, dans tous les horizons. Hein. Ouais, moi aussi.
Aujourd'hui, tu as décidé d'en faire ton métier dans la musique, hein. Tout à fait. Pour l'instant, c'est ma petite vie, c'est ma nouvelle vie. D'accord. Chanteur. Très bien. Yoann, si tu devais définir l'univers de Yoann en trois mots. En trois mots. Tu veux les vrais trois mots ou... Ah bah oui, je veux les vrais trois mots. Eh ben, en trois mots, moi je dirais musique, premièrement. Très bien. Ensuite, musique. D'accord. Et puis encore ensuite, surtout musique, hein, en fait. Hein. Non, je pense que vraiment ma vie, elle tourne vraiment autour de ça en ce moment. Et, et voilà, c'est vraiment ça qui fait ma vie. Donc, ça me donne à manger, mais en même temps, ça me fait kiffer au maximum. Donc je récapitule. Musique est égal à Yoann. It's me. Yoann. Emmène-moi. Mais tu veux que je t'emmène où en fait? Je sais pas si c'est possible, mais j'aurais bien aimé Gilles Floreau. Gilles Floreau? Oui. Mais comment tu veux que je t'emmène à Gilles Floreau? Sauvons. D'accord. Ah, tu veux sauver Gilles Floreau? Oui. D'accord. Pourquoi pas? Mais comment tu veux sauver Gilles Floreau alors? En ayant une pensée câline, Yoann, voyons. Ah, d'accord. L'air vini toucher, moi ça qu'a fait, moi frémi. Tais-toi, tigre, une folie qu'a tout fait, jalousie. On m'a folle qu'à monter si moi pan, moi envie. Ça qui plus belle, c'est que ça piqué, j'ai fini. Waouh, je peux dire que waouh. Sincèrement, tu as une voix magnifique. Je te remercie. Sincèrement, tu es à côté de moi et j'en profite de ce cadeau à cette nouvelle émission. Je suis pas loin. Voilà, tu nous reviens bien sûr avec un nouveau titre et clip. Hein. Caline, une reprise de Gilles Floreau, un grand monsieur, faut pas l'oublier. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Voilà, parle-moi un peu de ce tube. Hein. Quelle est sa couleur? Ben déjà, Gilles Floreau, ça représente la jeunesse de pas mal de personnes, je pense. Donc beaucoup de souvenirs surtout entre les vacances en Guadeloupe. Pour ma part. Mm-hmm. Donc voilà, oui, donc je suis arrivé sur Gilles Floreau par le biais de mon collègue et mon ami Jairo. Très bien. C'est lui qui m'avait donné l'idée, on va dire. Voilà, donc il m'a donné l'idée et au début je me suis dit bon c'est un peu compliqué vu que c'est quand même. On parle de monsieur Gilles Floreau, donc c'est un peu retouché à un maître. C'est un peu comme moi je trouve ça assez dur. Donc je me suis dit on a pris le temps, finalement on l'a fait. Et j'ai essayé de garder on va dire la grande partie de cette âme de ce monsieur en mettant un peu de moi et voilà ça a donné ce petit morceau Caline qui a l'air très... Caline, le titre de la reprise de Gilles Floreau te ressemble et franchement ouais. ce que t'as fait c'est très beau et la couleur aussi de l'image à travers le clip avec bien sûr de tout petit où ouais. Tu grandis dans le clip c'est bah, on va dire c'est formidable aujourd'hui de voir ce genre d'exemple d'un grand monsieur bien sûr Gilles Floreau. Bah en fait même dans le clip ouais. J'ai voulu rester dans on va dire la dédicace de Gilles Floreau donc si on regarde bien il y a aussi un petit peu de caramel de tout à de fait poisson, donc voilà c'est exactement mais il y a même le personnage caramel vous oubliez exact c'est vrai hein c'est vrai. C'est vrai que la fille qui représente ton clip également elle est métissée toi c'est aussi vrai. Tu es bien sûr la couleur du pays donc forcément ça se construit en caramel voilà couleur Caline. Pas jamais oublié, manier ou caliné, moins. Sous tous les foutés qu'a flopé, magie aussi moins. Yoann, es-tu prêt? Toujours. J'ai 5 questions indiscrètes à te poser. Je m'attends au pire. C'est vrai? Non, je suis très gentille, t'inquiète pas, mais très curieuse. Hein. Ton fruit favori? Mon fruit favori, on va dire la banane. Banane? Ouais. Que dois-je penser? Je vais t'expliquer, tu penses banane. Donc c'est un fruit avec de la peau jaune. Tu manges. Je sais pas, manger par des singes aussi des fois. Ce qui est pareil. Non, j'aime ça, ouais. D'accord. Avec le sport, ça va très bien. Mais je le pensais en tout bien tout honneur, attention. Bien sûr. La première chose que tu fais en te levant le matin, Yoann. Première chose que je fais en me levant le matin. Je vais sûrement aux toilettes, je crois.
comme tout le monde. Je sais pas. Non, ouais. C'est vrai. Ou je pose un pied par terre. Sans tendu. Bon, soyons vrais. T'es tic ou manie? Mais tic ou manie? Je pense que ouais, je me regarde souvent dans les miroirs. C'est vrai. Parce qu'il faut toujours que ce soit bien. À peu près bien. Avec ton chapeau. Voilà, tu vois. Bien posé. Faut que ça se marie bien lors de tes déplacements. Tout à fait. Attention, hein. Professionnel. Hein. Ton odeur préférée, Johan? Mon odeur préférée? Oui. Je pense que c'est la Guadeloupe. Quand tu arrives, quand tu sors de l'avion, cette odeur de naturel, de vrai, cette chaleur. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. C'est pas sous la neige. Hein. Alors. Bon, soyons vrais. Ta plus grosse honte. Hein. Plus grosse honte? Oui. Bonne question. Ah si, pour ceux qui ne le savent pas, ma première chanson s'appelle D'un mot. Donc j'étais petit, j'avais 15 ans. Et j'avais une tête un peu crâne rasée avec une moustache. Ouais. J'en suis pas trop fier. C'est qui D'un mot? Non, c'est pas qui, c'est ma chanson, D'un mot. Pardon? Appelé comme ça. Ah, je sais pas. Non, ouais, c'était ma première chanson, justement, on parlait de mes 15 ans tout à l'heure, c'est avec ça que j'ai commencé. D'accord, j'adore ce petit nom D'un mot, je sais pas pourquoi. Tu lui dirais que c'est D'un mot, à un moment, elle voudra plus. Très bien. Je t'admire. Plus de 15 ans de carrière. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares encore? Un album de prévu? Des featuring avec des artistes de talent? Bien sûr, après plusieurs clips, plusieurs tournées, collaborations. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu nous prépares encore? Bah là, je suis sur mon album, justement, parce que j'ai une grosse demande, justement, de mes fans. Très donc, bien. Voilà, oui, c'est vrai que je viens avec sur un album. Maintenant, les surprises, vu que c'est une surprise, je ne dirai pas de nom. Je suis un mec comme ça, j'aime bien le suspense. Donc, ouais, des surprises, et puis on verra par la suite. Et j'espère surtout beaucoup de virées d'artistes, donc tout ce qui est tournée, concert, et plateau télé, voilà, avec grand plaisir. D'accord. Et voilà, je pense que c'est important dans une carrière, quoi. Très bien. Et dis-moi où tes fans et internautes peuvent continuer à suivre tes actualités. Eh bien, comme tout le monde, Facebook, donc Johan Melody, voilà, ou sinon Instagram aussi, attention, Johan Melody, c'est pareil. Venez, je vous accueille avec plaisir et je vous donnerai mes news et je prendrai des vôtres. Et pour terminer, quelque chose à dire à tes fans et internautes, hein? Ben, avant tout et surtout, ben, merci pour tout, merci pour le soutien, merci pour la force, parce que sans vous, je le répète, je ne suis rien, on n'est rien. Et voilà, ben, j'espère continuer à vous faire plaisir et ben, plein de bonnes choses. Merci, ben, merci à toi. Merci à toi. Pour ta simplicité admirable. Il ne faut pas oublier que Johan est la révélation du zouk du moment. On admire ton travail, reste comme tu es, tu es quelqu'un de super. Merci, c'est gentil. Voilà. Toi de même, surtout, reste comme tu es. Je vais essayer. Avec la banane. Surtout la banane. Pas vrai, Johan? Tout à fait. D'accord. Mais en tout cas, merci encore une fois. C'est moi. Hein, tu es quelqu'un de simple et, comme on dit, affaire à suivre. Hein. On attend tes news. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Yes. Ciao. La 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 la.
Ça coule, ça coule.